Eh ben c'est pas peine de luxe chez elle. Parce qu'elle coupe, mais... Il y a des oignons. Ok. Filtration ninja, ça c'est ce que c'est. Oh, you're home. Rose, Rachel's home. And she brought her new friend. Our star returns. You're just in time. Dinner's almost ready. Chloe, was it? That's it. Nailed it. I must have been pretty memorable. You were. I get the sense that you're used to making an impression. Rachel, honey, you were resplendent tonight. Thanks. Chloe, you must join us for dinner tonight. She must? I must? Of course. I made chicken a la king. I'm sure you both acted up quite the appetite. Yeah, no thanks. I'm more of a burger a la king kind of gal. She's funny, this one. I'm aware. Chloe, I know we didn't exactly meet each other at our best this morning, but with you and Rachel becoming such fast friends, I insist you join us for dinner. Après l'avoir tapé dessus, enfin, yes, de pour de faux. Chloe, would you join us for dinner, please? Of course. Great. I just need to wash off. Then I'll be right down. Don't be long. In meantime, perhaps you can help me with the table, Chloe? Sure thing, Mrs. Amber. Okay, I'm gonna go pack. After dinner, we can make our break. You cool down here? Just hurry back. I don't know how long I can keep this up. Try doing it your whole life. And, Chloe, we just need to make it through dinner. Try not to say anything that, you know... That I would normally say. Exactly. Just some quality time. Bon, c'est pas tout à fait terminé en fait. What could possibly... On dit que tu as joué dans la tempête. Ouais, j'étais plutôt essentiel. Bien de croire. Tout le monde dit que le spectacle est au top. Tu gagnes deux médailles pour les deux bonnes actions aujourd'hui. Tout va bien, Mickey t'enverra un texte plus tard. Oh merde, dis-leur que je pense à eux. Ok, bon. C'est pas tout à fait terminé, donc il faudra que je gère les parents de Rachel. Ok. Ok, dans ce cas, allons-y. Alors. On va voir ce qu'il y a. Rachel really was an overachiever before she met me. Glad I nipped that in the bud. La table, on va voir ce qu'il y a. Original, la statue. Ah, il ne faut pas vraiment asseoir, mais bon, je force de cliquer, voilà. Flex, relax. Bon, bref. On va y avoir le journal, newspaper. L'incendie se propage malgré les efforts concertés de plusieurs départements. Le plus grand incendie de l'histoire d'Arcalabay effraie les résidents et laisse les autorités perplexes. Ouais. Je demande quel connard a bien pu faire ça. I bet there's like not even a single Cheeto stuck in this thing. J'imagine que ce soit être un chips. Doing the play was bad enough without having to read about it afterwards. Hope Drew's okay though. Félicitations aux superbes acteurs et l'équipe technique de la tempête. Désolé d'avoir loupé ça, les amis. J'ai eu une urgence. Je vous aime, les gars. Je suis trop désolé. Désolé de quoi? Tu contrôles pas le feu, à moins que... Chloé s'est débrouillée comme un chef. Et nouvelles de Drew?
Il se remet, on va le voir demain matin. Ok. How to clear browser history, followed by a gap for all of yesterday? That's like cheating asshat 101. Poor Rachel. D'accord. Ça veut tout dire, Yang Yi Souroche. Holy shit. That's the guy who attacked Drew. The bad memory. Holding onto a grand of his money. Rachel and I couldn't be leaving town soon enough. D'accord. Lieu suspect, la Syrie. Une vieille Syrie convertie en boîte de nuit au nord de la ville, suspectée de vol, extorsion, distribution, coup de blessure, cambriolage, meurtre, associé reconnu, Francis Bowers, pas Bowser, Sheldon Pike, Sarah Geltran, Peter Gillespie, Rodney Sanders Sears. Ah oui, c'est le bodyguard de... C'est le videur Maori, ok. Enfin, pardon, pas Maori, C'était Samoa, ouais, Samoa. Ok, il y a Michael Youn, là, Sheldon. Il s'appelle Sheldon. Genre, c'est tellement pas raccord. Ah, quoi d'autre? Ok. Je me disais qu'il y avait ses suppléments. Les familles vont vraiment à Paris au lieu de juste parler de ça leur whole lives. Easy to see who wears the literary pants around here. Bon, apparemment, ça va être le père qui porte sa culotte littéraire, comme le disait bien Chloé Price. What the Amber family considers entertainment looks a lot like what I consider homework. C'est dit. Ce que je vais faire, ça vaut un succès. Solved it. Ok, apparemment, c'est pas comme un succès. Crossword puzzles are easy. D'accord, c'était pas un succès, c'était pas une occasion de tag. Ok, something about this photo doesn't seem right. Ah bah tiens, c'est le tag. Procureur James Amber lutte contre la drogue. Allez hop. Can't tag this while Rachel's mom is right there. She totally bust me. Ok, on va devoir la divertir. Hey there, Mrs. Amber. Chloe, I'm so glad you're joining us tonight. You borrowed that shirt from Rachel. We call it the Rorschach. Oh, shush. What do you see? Voilà, ok. Ben, vu de nombreuses fois que je vois des corbeaux, moi, depuis le temps. I guess I see a bird. Interesting. Well, wash it before you bring it back. On mettre un peu de discussion. What did you think of the play? Rachel was typically amazing, but I never liked The Tempest. What did you think of it? To be honest, I only really read a couple pages. Theater's not really my thing. I guess I'm not so into saying words someone else came up with. Fair point. Then again, I'm not sure you can judge the entire art form based on the dead white men your curriculum focuses on. Damn. Shots fired. D'accord, c'est la mère qui... D'accord, c'est la mère qui porte la culotte, d'accord. Bon ben... Prochaine. So, Rachel was pretty awesome tonight. Yes, she was. Though, to be fair, she's pretty awesome every night. I wish I were half as driven when I was her age. Me too. I get the sense that you're a force of nature yourself. I can see why the two of oui, you get along so well. You can? Because it still seems crazy to me. Faut pas trop parler de mon beurre. So, you putting me to work or what? Yes. If you could please take four plates from the cupboard and set them on the table. What if I can't? Excuse me? You said if I could.
Never mind. Bon. On va y aller. Ah, parfait. L'occasion. All right, Chloe. You've set the table without ruining someone's marriage before. You can't tag this while Rachel's mom oui, oui, is d'accord. Right there. She totally je peux pas. Passed me. Mais j'ai peur que... Attends. Ouais. Je trouve les strats. Skeletons. Lots of shiny dishes, though. Ah, mais... Ah, avec Mickey. Salut, Chloé. Tout est sorti du bloc. Il a mal, mais ça va. Putain, Mickey, je suis désolé. Ça va, tu es resté avec moi. J'aurais voulu pouvoir faire plus. Genre lui exploser les testicules. Salut, Steph. J'ai dit que tu avais joué dans la pièce, c'est vrai? J'ai eu une journée chargée. Comme la plupart des héros. Ah, c'est tellement bien dit. C'est cool, Mickey. Oui, je vais prendre. It's off to the table with you. Ouais. genre je porte même pas les assiettes. Donc logique, c'est un jeu vidéo. Je les ai dans ma poche. Voilà. Ah, maman. Chloé, la mère de Justine Williams va m'appeler. Tu as participé à la pièce ce soir? J'aurais aimé voir ça. C'est arrivé comme ça. Je sais que c'était pas prévu. Je suis contente que tu ailles bien. J'aimerais bien te voir ce soir. Est-ce que tu rentres? Chloé, s'il te plaît. Tu me manques. Oula. Sourcil artiste. Oh, I think that's an original who gives a shit. Non, on dirait du Basquiat avec la couronne. Enfin, ça n'a pas l'air très Basquiat non plus. Bref, je ne connais pas trop d'art. On dirait bien. Okay, non, elle a toujours pas le de... Bon. Glasses. Damn. The ambers are fancy as shit. Ça brille. Ils ont fait un jade les verres ou quoi? Attends. Non, on peut pas les prendre. Ok. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? J'ai mis les assiettes, c'est bon. Je veux toujours pas taguer. Alors, c'est quoi la suite? Yes, Chloe? Ensuite? Plates, check. Anything else? Actually, could you be a dear and ask Mr. Amber what he'd like to drink with dinner? I will be a dear. Ah. Okay. Talking to James. As long as I can avoid using the words cheating and scumbag, I should be fine. Alors. Hiya, Mr. Amber. Chloe, what can I do for you? Your daughter's pretty great. Thank you. We're fond of her as well. You ever feel like she's so awesome at everything that you just want to shake her? Yeah. Me neither. Poison. What's your vice, Mr. Amber? Poison. I'm sorry? Your wife wants to know what kind of drink you're having. Ah. Let's say sherry. Okay. One, two, three, sherry. Comical. Hey. Chloe, maybe you can help me understand something. I'll give it a shot. Rose and I, we're worried about Rachel. Yesterday was so unlike her. Je joue l'actrice. What do you suppose is going on? Des choses que tu peux pas comprendre. Hard to say. Maybe she's rebelling against something. Or someone. What would Rachel have to rebel against? Contre ses parents. Everything she could ask for. C'est une adolescente, je signale. I'm not sure. I buy the narrative you laid out this morning in the office. Rachel is not known for following along with anything she doesn't want to. Ah, tu sais. I'd be lying if I said I didn't have concerns about your friendship, but perhaps you're exactly who Rachel needs right now, as she
navigates the choppy waters of adolescence. Bon, trêve de métaphore. Ouais, ils sont quand même. Thanks. Moi aussi, je pourrais faire des métaphores sur... Attends, ouais. Il faut que quand je parle à quelqu'un, c'est ça, ou... Attends. Mais je veux dire, il faut que je parle à... Yes, Chloe? Sherry. The boss man would like a sherry. Thank you. The glasses are in the china cabinet. You can place one at his setting. How am I supposed to get to China? Kidding. It's the fancy-looking cabinet, right? You got it. Ah, et quand est-ce que je pourrais faire mon tag? Non, j'ai pas vu ça. Rachel and I both had great childhoods. Mine just ended a little before hers, I guess. Bon, oui, voir. Alors, les verts, si. Rendre. Le verre de jade. It's the triangle-shaped one. Comme un Illuminati, oui, d'accord. Basic shapes. Now you're speaking my language. Bon. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Parce que moi, je veux bien taguer. Alors. Yes, Chloe? So, am I crushing it? Non, il remplit le verre, this oui. Dinner would be taking literally minutes longer without you. Crushing it. Bon, c'est pas à ce moment-là, je vais pas faire le tag. Ah. Bon. Est-ce que c'est à lui qu'il faut que je parle? Something else? Non, non. Duty calls. Good chat, Mr. Amber. Mm-hmm. Oui, ok, bon. Où est-ce que je veux aller? Bon, j'ai le verre, il faut que je le pose sur la table, c'est ça? Ou... Que je sache. Non. Ça, c'est posé. Ok, attends. Ah, le verre. Oh, d'accord, le verre. D'accord, c'est ici. Je boule trop d'étapes. Parce qu'il n'y a pas de chéri pour l'instant. Ah, c'est à sauvegarder. Maintenant, faut que je parle à quelqu'un. Ah, je pensais qu'on allait terminer là-dessus. Eh ben non. On va devoir encore parler à des gens. Yes, Chloe? Autre chose? What else? Feel like I'm getting good at this. Only one last step. As our guest, you may do the honor of lighting the candles. Ah, c'est chiant. The lighter is in the... It's cool. I've got my own. Voilà, merci. Oh. You never know when you'll need to light a candle, right? You are a paragon of preparedness. Thanks. I think. Time to light some candles and bless this joint up a bit. Ah, je vais vous retaguer. Par contre, ça me fait un peu chier tout ça parce que ça se prolonge parce que. Mrs. Amber has her back turned. Il y a bientôt plus de place sur mon ordinateur. Time to fix this photo. À force de. Recule là. Et que ça devrait. Good. Voilà, joli. Bon, maintenant on a fait le tag, génial. On a fait. Maintenant, faudrait finir cet épisode 2 avant que ça finisse en truc super chiant. Les bougies, alors, on va les allumer ces fichues bougies. Hop là. Et que ça devrait le briquet. Hop. The Amber family and fire. What could possibly go wrong? Non, non, ça finira pas mal. So, Chloe, are you and Rachel in any of the same classes? Question des villes. Not since this morning. Oh, gosh. I'm so sorry. Nah, that's cool. We're not. What about that fire? Mais c'est vrai, elle était pas là. Dinner's
really good, Mom. Thank you, Rachel. The way the fire spread so fast, I've never heard of anything like it. Oui, donc il y a bien pu allumer. C'est strange. It's almost surreal. They say a fire like that could only come from a crime of passion. Passion? What does that mean? D'un amour passionnel. I don't know. You tell me. D'allumer le feu. Because you're the DA, of course. Et sous-entendu. It's certainly troubling. The latest report from the commissioner's office suggests arson. Arson? Why would anyone do that? Any number of reasons. With everything going on in the world today, even a town like Arcadia Bay isn't immune to the ills of society. I cannot imagine how difficult these last few years have been for you, Chloe. Now that you and Rachel have become friends, I want you to know that our home is always open to you. Cool. Thanks. Ouais. Préfère l'extérieur. It's imperative in such troubled times as these that we remember what is most important to us. Family. Bien sûr. Family's not merely a gift, it is a responsibility. As such, those who are finir rapidement ton speech and never ever taken for granted. Ouais, on voit pas le clash. Ça vaut pas la peine. Yeah, that's super true. And also remember, Rachel, that even when shit's like the lamest ever, you can always run away from whatever's bothering you. As long as you just keep calm. An interesting philosophy, Chloe. Yes, indeed. Not one that I would endorse, however. I favor confronting my problems head on. But to each their own, I suppose. Oh, fucking blow me. Rachel. Donc, bon, on va pas y aller le clash comme ça. That's just a little inside joke we have together. No, you blow me, bon, Rachel. C'est peut-être pas la meilleure option. Chloe, stop. Oui, merci. I can't sit here and listen to this bullshit anymore. Rachel, stop it, Dad. You're a hypocrite. Okay, I know. You lying, cheating piece of shit, motherfucker. Excuse me? We saw you yesterday at the Overlook. James? Kissing that woman. James. Rachel? Honey, whatever you saw or think you saw, I know it's hard. Même pas besoin de l'attaquer. Même pas besoin de clash. No offense, Mr. Amber, but I think we trust our eyes more than you. That's enough. You are not welcome here or around my daughter any longer. I know exactly what kind of person you are from the moment I saw you, and I let my wife's compassion get the better. Okay. Ça part en festival. A delinquent, a broken girl from a broken home. Oh là là là. That's enough, James. I will not have you continue to speak to her like this. Je sens qu'il va avoir une merdouille. Ça sent le cri. Annonce. Ah non. Why can't you just tell me the fucking truth? Stop lying. Stop being a politician for one fucking minute. Can't you just be my dad? Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. Quoi?
On dirait que c'est la fin. Pompidou. Oh oh. On dirait qu'il va arriver des merdouilles à Frank, on dirait. Le grand méchant. Oula, carrément. Bon, on dirait qu'elle est réveillée. Ouais, je suis pas revenu. Et on dirait que David a l'air bien installé maintenant. Ils sont ensemble, du moins ils sont amis. Et donc elle, l'incendie semble se rapprocher, enfin du moins il a pas l'air de s'éloigner là avec ce qui pleut. Et ça continue de bien brûler là, oula. Comme dirait Benabar, c'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Bon bah voilà. On a terminé le deuxième épisode. Encore un épisode comme le premier qui fut très marquant, voire plus. Donc sur ce, je pense que peut-être... Attends, est-ce qu'on peut... Oui, on peut... Commencez donc, voyons voir les résultats. Vous êtes rendu coupable à la place de Rachel. Voilà, j'ai suivi la majorité, 80%. Vous avez demandé dans la poche, voilà. Je pensais qu'il en aurait beaucoup plus qu'il aurait fait, enfin, finalement pas tant que ça. Ah, j'ai encore respecté la majorité, je suis resté avec Mickey, au lieu d'avoir donné l'argent. Alors, la grande majorité a voulu demander un baiser. Alors que moi, j'ai parti des 12% à avoir juste mis un tatouage. Et 14% le bracelet. Ok. Bon ben, chacun son choix là. À mon avis, bon, j'imagine qu'il y aura peut-être une conséquence à la con du style. Enfin, peu importe. Bref. Donc, ah, et Satami d'ailleurs. Vu que j'en ai deux. Alors, je sais que Tenebi a décidé d'aller au bout de l'histoire de Rachel. Gnocchi, il a donc fait le contraire. Alors, donc, ils ont du tout de faire. Ils ont donné l'argent, tiens. Bon, j'ai décrit juste avant qu'il y a un peu un spoiler, parce que je parle de deux youtubeurs que je connais très bien. Enfin, que je connais bien. Et eux, ils ont demandé un baiser, ils ont été beaucoup plus romantiques. Alors, cet monde. Attends, est-ce qu'il y a. Avec toi, ça c'est. Ah, suivant. Donc, pour le reste, voilà, grande majorité, on a parlé d'Eliot au sujet de la. Ah non, ça c'est le nouveau monde. Avec toi, c'est pour le nouveau monde. Oui, c'est ça. Alors, vous n'avez pas regardé l'autre au sujet de la pièce. Alors, vous avez accepté de repartir à zéro avec David. Ouais, j'ai plutôt suivi la majorité dans, globalement. Voilà. Ah d'accord, on pouvait rembourser les dettes à Frank, d'accord. J'imagine que c'est par rapport à l'argent qu'on aurait pu garder, qu'on n'aurait pas donné à ma mère. Maman. Ok. On n'a pas dit. On n'a pas rendu l'argent à Drew.
Avec pas de conseil à 20 heures. Bon, avec le truc de Thomas, je ne pouvais pas, mais bon, je ne verrai pas même. Mais bon, j'ai dû suivre à peu près la majorité, même si c'est pas tellement ça. Donc, ça, vous avez confronté Victoria à Vincennes. Vous avez piégé Victoria à. Ah, tiens, une autre possibilité. Le stade de New York. Bon, je voulais être raccord avec ce qu'on avait dit autrefois. Oui, on préfère Los Angeles. Rachel, derrière, vous attaquez Jeb durant le dîner. Bon, ça valait pas la peine. Fallait que ce soit Rachel qui le fasse. Moi, je pense que j'aurais peut-être pas eu les meilleurs arguments, même si bon, ça, j'en sais rien vu que pour l'instant je suis seul à pas vu les autres le faire. Donc bon, non, cet ami. Ouais, les autres, d'accord, ils ont laissé faire aussi. Tenez, Sonic. Bon, donc voilà pour le résultat. Merci. Attends. Je vais quitter pour voir la teaser d'épisode 3. Ok, on va être dans la merde. L'annonce. Donc voilà. Merci d'avoir suivi cet épisode. Continuez de soutenir ma chaîne. Donc, faudra attendre encore un peu pour un épisode 3. Qui sera le dernier, et je crois qu'ensuite il y avait un DLC, enfin je sais plus, enfin, j'avais acheté assez cher le truc avec les bonus, sans doute la raison pour laquelle j'avais les t-shirts en plus, bon bref. Donc, mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, ou abonnez-vous à ma chaîne. Sur ce, c'était le KO KO Bang, et je vous dis ciao!